Eh bien voilà, nous allons vous présenter l'agneau. L'agneau d'Aveyron, triple A, agneau alaiton d'Aveyron. C'est un jeune agneau qui a moins de 6 mois. Et là, c'est l'assiette principale. Nous avons donc les filets d'agneau qu'on a prélevés sur la selle avec une feuille de blette. Et dessous, nous avons gardé avec une compotée d'oignons grelots. Petite taille panée et frit. Et ensuite, l'épaule que nous avons récupérée et en confit, infusée aux herbes et cuit en basse température. Juste panée, un petit peu comme à la milanaise. À côté, nous dégustons un portobello grillé mariné gratiné au gorgonzola. Avec ceci, nous avons la pomme pierre, spécialité de Monsieur Gagnère. C'est une pomme de terre purée, recouverte de chips, coriandre et cerfeuil, assaisonnée avec de l'échalote, quelques gouttes de citron. C'est très très fin. Et là, nous avons la côte d'agneau. La côte d'agneau gratinée avec une petite croûte aux pignons et aux olives et petite belle farcie aux pignons également. Donc, comme on peut le voir, Monsieur Gagnère aime la déclinaison. Ça nous permet de déguster en plusieurs façons l'agneau. Ici, nous avons une bonne selle très tendre, accompagnée là d'une côte d'agneau, comme on aime la manger. On a bien nettoyé la côte, comme ça on peut la prendre avec les doigts et la manger. C'est très agréable, elle se détache toute seule. Et ici, un petit gratin, petit champignon et gorgonzola. C'est typique de la cuisine de Monsieur Gagnère de séparer ses créations. Maintenant, nous avons la sauce. Nous versons un petit peu de sauce sur la purée, hop, très gourmand, et ensuite sur les noisettes d'agneau pour que chaque bouchée soit accompagnée d'une goutte de sauce. Voilà, c'était l'agneau d'Aveyron par Monsieur Gagnère. Thank you. Bye.